5G. Ça fait arriver au 55. Qui avait le cinquième temps en GTAM. Cinquième temps dans cette Ferrari. Alors regardez bien mesdames et messieurs, vous en avez beaucoup entendu parler. Tesla est un garçon, le PDG de Tesla est un garçon incontrôlable, un garçon génial. Et pour ses réalisations, tout électrique. Personne n'y croyait au début. Le camion pour son entièrement électrique avec une énorme autonomie. Tesla, l'américain, est en train de faire trembler pas mal d'entreprises qui n'y croyaient pas au départ et lui semble sur la voie de la réussite. C'est un superbe challenge et l'américain fait vraiment très fort avec des voitures en plus très originales. Vous allez voir cette voiture qui a les portes avant qui sont classiques et les portes arrière qui sont papillons. Vous allez avoir une concession dans la région. Et il y a plusieurs modèles qui existent, mais celui-ci, c'est vrai, est un petit peu, vous l'avez vu déjà au Mans l'année dernière. Je n'étais pas tout à fait opérationnel. Et voilà. Vous avez vu, la face, ça permet de se garer entre deux Twingo, là, maintenant. Ils ont trouvé un système, vous avez vu. Voilà, on va recommencer, regardez bien. Maintenant, vous pouvez vous garer entre deux Twingo. Regardez les portières, comment elles s'ouvrent. Ah, c'est quand même beaucoup plus facile. Et voilà, avec un double pli, c'est assez étonnant. Sur le parcours. Ouais, génial, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, c'est impressionnant. Impressionnant, dit-elle. Applaudissements, s'il vous plaît. Miss 24 heures, le mort, le même niveau, s'il vous plaît. Marina exceptionnelle qui, bien sûr, a remporté, car chaque année, vous le savez, en tout cas, c'est un challenge. Donc, il a remporté, c'est merveilleux. C'est génial, c'est vrai que je réalise pas trop encore, mais ça va être deux super jours demain, j'ai vraiment à dire. Avec tout c'est terminé, bien sûr, après, il faut suivre la course. On revient dimanche à 15h pour des impressions, d'accord. Voilà, applaudissements encore, nos partenaires qui ont été commencés. Voilà, 1024 heures du mort, le bénible. Merci de faire une ovation. La seule bise qui était uniquement pour 24 heures. On n'a même pas dit son prénom, les garçons, alors. Merci, merci. Marine Météo. Bravo pour cette belle aventure. La tignure jusqu'à, effectivement, dimanche soir. Bon, je crois que dimanche soir, ça va durer longtemps. Ça sera interminable. Ça va durer très très longtemps.
Et l'autre Tesla, mais celle-là en noir. Complètement différente. Approchez, approchez un peu. Je vois ça avec jaune. Ah, c'est bien aussi, là. On entend bien le bruit, hein. Ça, c'est pas bien pour vous. On entend bien le bruit. Pour que ça soit, que ça fasse, regarde. Non, Jean-Luc, ne joue pas avec ta vie. C'est très bien. Pour une voiture électrique, tu pourrais t'électrocuter. Attention. Attention à la peur, Jean-Luc. Vous ne pouvez plus en deux. Ah, c'est extraordinaire. Oh là 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 là, on a eu beaucoup de choses à récupérer. Il était tellement grand qu'il y avait la tête qui pendait à Comédie. Exactement. Hein? Mais attends, j'ai trouvé encore quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, toi. Ah, mais il joue avec sa vie. Ah, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, on va couper. Ah, je vais tout ça. Avancez, voilà, on va avancer un petit peu. Bon, maintenant, à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? Il a encore trouvé des vies. Oui, je l'ai trouvé, bien sûr. La première et la deuxième dauphine de Miss 24 heures. À mes côtés, je vais leur demander un prénom, parce que je n'ai pas toutes mes notes. Jade. Jade et puis Laetitia. Jade et Laetitia, bien sûr, qui sont la première et la deuxième dauphine de Miss 24 heures. Applaudissez également, s'il vous plaît. La voiture, regardez la voiture qu'on télécommande. Regardez la voiture qu'on peut télécommander. Vous avez votre belle-mère à l'intérieur, vous pouvez la laisser enfermer complètement. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et écoutez, vous pouvez la faire chanter pour la belle-mère, la voiture. Il y a un troisième de groupe. Incroyable. On peut ouvrir les portes. Troisième et quatrième. Regardez, on peut ouvrir les portes à distance. Allez là, on approche, on avance. Ah, c'est génial, hein. Regardez, attention, attends Jean-Luc, attends. Il n'y a plus de pilote. Mais il n'y a pas de pilote, ça se pilote à distance. Regardez, attention mesdames et messieurs, ça marche en plus. Ça marche. Incroyable. On peut l'applaudir. Voilà, c'est moi qui va vous ça prendre. Fonctionne. Et alors écartez-vous parce qu'elle va s'envoler maintenant. Elle décolle. La voiture, la c'est incroyable. C'est vrai. C'est nouveau, ça vient de sortir. Joël, ça se passe très bien chez la voiture. C'est moi qui conduis, regarde un petit peu. Non, c'est ne conduis surtout pas ça. C'est en quoi tu fais? Je ne sais pas du tout. En fait, c'est un nightclub ambulant. C'est un nightclub ambulant. Je vais te laisser conduire, c'est beaucoup mieux. Carlos, t'imagines, t'emmènes la belle-mère là-dedans. Elle a payé la belle-mère, tu l'emmènes dedans faire un tour, elle meurt, t'es peinard, t'es tranquille. Merci. C'est génial, merci. Oh, c'est super. Merci, oh. Super. Oh. Allez, on va voir, c'est bien. Ah, c'est bien le modernisme. Ah, c'est vrai, quand tu appuies sur un bouton et regarde, hop, envoler la belle doche. Extraordinaire. Ah, génial. Merci, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Voilà, on a eu chaud. Hein. Votre première et deuxième dauphine, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dauphines. Elles sont très. Alors attends, vous avez vu la cordélie à droite, la normale, non? Elles sont applaudissées, c'est le choix à vous entendre quand même. Dans la tribune également. Ravi, ça vient du cas, tout s'est bien passé. Et ça se passe. Avec la bande bleue au milieu. Étonnante, hein. Excellent, franchement, on adore ce qu'on fait. Alors, je vous laisse partir. Je vous laisse partir, bien sûr. Parmi le public. Alors, je ne sais pas de quelle année le châssis, mais il est très réussi. Ah, très joli. Ah, très joli. Ah, très joli. Ah, une voiture magnifique, monsieur. Vous avez une voiture formidable. Ah, oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de chaussures? Vous pouvez m'expliquer? D'accord. Ça fait mal aux pieds à ce moment-là, les talons hauts? Bon, tu veux pour la voiture, c'est pour ne pas la rayer. Attends, mais... Mettez-vous du sur le capot, on ne va pas la rayer. Attends, je ne veux pas qu'ils aient fait une gazelle. Non. Je vais demander le prénom si je vous prie. Voilà, Jean-Luc et Clémy. Ça va et vous? Giovanna. Ah, c'est merveilleux. Voilà, je sors de bonnes 24 heures, évidemment. Ah. Aussi. Voilà, avec le soleil du Maine, quand même, ça marche. Hein. Du coup, le mec, il regarde, t'as vu la tête où il a la tête, le garçon? C'est normal qu'il soit perturbé, quand même. C'est la première fois comment il a vu sur la mer. Je te souhaite un mieux. J'ai dit une bêtise. Arrive à notre petit pour la évidemment. Sur le 111 RSR, numéro 91. Ah, avec les grands pilotes français, avec la Kovieki et Patrick Pilet. C'est deux très très grands pilotes français, les pilotes de l'Isle Porsche, mesdames et messieurs. Avec Litz, leur coéquipier. Denis Star. Des pilotages GT dans le monde. Jean-Éric Macomieki et Patrick Pilet. Incontestablement. Deux des garçons qui sont les plus rapides.
de monde. Voilà nos partenaires, on compense comme ils sont là, les amis de Bordeaux de Chanel qui ont rempli. Bravo. Christelle Seine, Kevin Estre. Ah, pilote hyper rapide de la génération Porsche. Kevin Estre, que vous connaissez bien, avec Werner et Christensen, évidemment. Kevin Estre, vraiment le pilote à suivre pour nous les Français sur cette voiture numéro 92. Kevin Estre, la grande révélation de sa génération. Voilà, arrive Ferrari 480, Jupiter numéro 51. Colonel et Pierre Guigny. Dans l'équipe Ferrari avec Calado, Pierre Guigny et Romo. L'équipe italienne, Forza Italia. Et cette année, les rillettes du Mans, vous avez vu, c'est les 5 rouges.